sommes actuellement dans un appartement de 80 mètres carrés qui est situé en plein cœur de Paris, que nous avons entièrement restructuré avec un décor façon suite d'hôtel à la demande de nos clients. Il s'agissait d'un appartement qui était entièrement dans ce jus, qui n'avait pas été rénové depuis plusieurs années. On a dû repenser entièrement tant l'électricité que la plomberie et l'ensemble des plans, puisque la cuisine était séparée à l'autre bout de l'appartement. Et on a donc restructuré, déposé beaucoup de cloisons, des porteurs et revu l'ensemble de l'agencement de cet appartement. Le plan de l'appartement est beaucoup plus actuel. On rentre dans une entrée qui est beaucoup plus petite, mais qui a énormément de rangement. C'était aussi un des objectifs principaux des clients. On a travaillé beaucoup de menuiserie et de rangement sur mesure. Ici, c'était avant deux pièces. Nous sommes actuellement dans une ancienne chambre et on a transformé un petit séjour et une chambre en un grand salon salle à manger avec une petite cuisine qui a deux ouvertures et qui dessert à la fois l'entrée pour la facilité pour pouvoir poser les courses quand on rentre et le salon salle à manger avec de part et d'autre des portes coulissantes qui permettent de cuisiner sans les odeurs, sans le bruit des invités et aussi de communiquer très facilement puisqu'on peut ouvrir les deux portes quand on le souhaite. Côté nuit, nous avons entièrement surélevé l'espace, donc nous avons une grande marche qui nous a permis de faire passer les conduites d'électricité et de plomberie. Désormais, nous avons un petit bureau, une grande suite parentale avec un très beau dressing, la salle de bain de madame et la salle d'eau de monsieur. Donc le style attendu de nos clients était vraiment de se sentir un petit peu comme à l'hôtel. Ils voulaient aussi un appartement dans lequel ils pourraient finir leur vie. Donc il fallait que ce soit quelque chose d'extrêmement pratique, d'extrêmement confortable et à la fois tout en étant très chic. On a travaillé dans un camailleux de beige, de blanc, avec quelques pointes de couleur en fait qui ont permis de rehausser l'ensemble. Les moulures ont été pour beaucoup retravaillées puisque en déposant les cloisons et les porteurs, on a dû détruire un certain nombre de moulures qu'on a refabriqué en stuc. L'ensemble des menuiseries, quant à elles, ont été réalisées sur mesure, également énormément travaillées, avec partout des luminaires, des LED intégrés dans les murs pour avoir aussi une ambiance lumineuse qui va varier en fonction de l'heure de la journée. Dans cet appartement, nous avons pensé dans les moindres détails à toutes les options pratiques, donc tant dans la lumière avec des rubans LED intégrés dans les menuiseries que de la lumière de balisage dans les couloirs et aussi dans la marche qui accède à l'espace nuit, ce qui permet d'éviter de rater la marche en effet si on se promène la nuit dans l'appartement. Nous avons également une salle de bain extrêmement confortable avec un faux plafond qui a été travaillé avec des rubans LED et la luminothérapie qui est intégrée. Dans la salle d'eau de monsieur, c'était une très petite salle d'eau qui avait énormément de contraintes et dans laquelle on a quand même réussi à rentrer une grande douche, un WC indépendant et un lave-main. Et en fait, cette salle d'eau donnée sur la courette relativement peu esthétique de la copropriété, et nous avons remplacé en fait la vitre transparente qui donnait sur cette cour par du verre miroir, ce qui a permis d'avoir un miroir pour se regarder face au lave-main. Et puis dans le dressing, tout a également été pensé en sur-mesure avec tous les rangements nécessaires. Et donc finalement, cet appartement pour deux personnes, dès qu'on passe la porte alors qu'on est en plein cœur de Paris, on se sent tout de suite très apaisé dans un endroit extrêmement calme, dans un environnement très serein dans lequel il est agréable de vivre et on se sent très bien.